Topinette, aujourd'hui encore une petite astuce avec le montage des tampons. Première astuce, vernir vos bois parce que ça évitera qu'il y ait des taches dessus. Ça, c'est une première chose. On prend du vernis à bois et comme j'en avais pas, j'ai pris tout simplement et tout bêtement du vernis à ongles transparent. Ensuite, on détache les caoutchoucs, on les pose et on les colle. Ça, vous connaissez. Mais maintenant, il va falloir coller les petites étiquettes. Donc, je vais vous donner une petite astuce que j'ai trouvée sur un site canadien et que j'ai trouvé très sympa. Alors, vous prenez une encre foncée et une feuille de papier. Vous ancrez vos tampons et vous venez placer votre tampon en angle droit, bien dans l'angle droit de votre papier brouillon. On retourne la feuille de cette façon-là. On décolle l'étiquette et on vient la poser à l'envers, donc sur l'envers. Le côté collant est au-dessus et en dessous, c'est le côté qui ne colle pas, bien sûr. Voilà, vous posez maintenant votre étiquette juste par-dessus ce que vous avez tamponné. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à reprendre votre tampon et à le mettre juste bien dans l'angle droit de votre feuille. Alors le plus dur, c'est de lâcher. Hop, voilà. Et de cette façon-là, l'étiquette est posée exactement comme le tampon est mis sur votre bois. À bientôt pour d'autres vidéos.